introduction about the movie? Yes. Thank you very much. Very proud. Merci. Humbled to be in the and happy to be in the company of good old friends. Good enough to publish my big fat book. Je suis content d'être en compagnie d'amis qui ont été assez gentils pour publier mon énorme livre. Very quickly, because we'll answer questions after the film. It's a wonderful film that most people have not seen or cannot remember the title of. D'abord, très rapidement, parce qu'après on répondra à des questions, c'est de juste dire que c'est un film absolument merveilleux, et c'est un film que beaucoup de gens n'avaient pas vu ou n'ont pas vu. Donc, qui n'a jamais vu Jeune et innocent? Ah. Done at a very interesting time in Hitchcock's career when he's in transition and to some extent in peril. Ce qui est fait à une période très intéressante d'Hitchcock, à un moment de transition où il est d'une certaine manière en péril. But full of suspense, romance, a very, very tender feeling towards the young heroine. Et en même temps, c'est un film qui est plein de suspense, de romance et de sentiments très, très tendres. Envers la jeune héroïne. And several absolutely classic Hitchcock set pieces, including a climax that everybody, including himself, could tell you from beginning to end what happened and how he did it, because he was so proud of what he did. Et plusieurs séquences extrêmement brillantes, à commencer par la fin, le climax, qui était une séquence que Hitchcock pouvait raconter par le menu, presque plan par plan, ça faisait partie, tellement, même des années après, il en était fier. Alors, moi, je voulais juste ajouter que ce film, on a pu le revoir à un moment, parce que ça a été un des deux ou trois films d'Hitchcock distribués, achetés et distribués par François Truffaut, qui avait, en France, redistribué le film et... d'une certaine manière, avait permis à énormément de gens, à commencer par moi qui en avais une vision très lointaine d'une copie 16 mm non sous-titrée. Vous avez parlé des années 60. Oui, dans les années 60, Truffaut avait racheté le film et avait fait une ressortie dans des salles, dans des copies neuves. Ça faisait partie, de deux films, trois films d'Hitchcock qu'il a relancés lui-même. Et la caution de Truffaut avait fait qu'une partie de la presse, à commencer par les gens qui étaient allergiques au cinéma anglais, qui se croyaient être allergiques au cinéma anglais, avaient été obligés de dire que c'était formidable. Mm-hmm. Voilà. Et en plus, donc, c'est un film des années 30, noir et blanc, dans une très belle... Merci, et on se retrouve... C'est un film que je trouve formidable et qui montre aussi l'irrévérence de Hitchcock. Dans ses films, ça fait deux quand je revois brusquement, la police est complètement incapable. Mais pour quelqu'un qui avait l'air de respecter l'ordre et tout, la police est non seulement inefficace constamment, mais il se trompe et il provoque des catastrophes dans Angels on a Train. C'est eux qui provoquent presque la pire catastrophe. Et là, dans ce film, c'est censé être la figure de justement représenter la famille. En plus, ça combine plusieurs choses, le personnage, et il n'arrête pas de se tromper du début à la fin. Ça fait partie des points où Hitchcock, qui semblerait un défenseur de l'ordre établi, à chaque fois glisse énormément de notations. Irrévérencieuse, anarchiste, par rapport à cette notion d'ordre établi. Yes, it's a very subversive quality of his work. The police are always stupid or fumbling or are after the wrong man. And in this case, the father of the father of the bride-to-be. Oui, oui, c'est une des qualités subversives qu'on trouve beaucoup chez Hitchcock. Généralement, que la police est inefficace, se trompe. Trébuche continuellement, et là c'est augmenté par le fait que le chef de la police est le père de l'héroïne, ce qui augmente encore ce fait. And it always extends to the courts and the judges and the lawyers. Et cette qualité aussi, enfin disons, ce regard est le même quand on le pose sur les juges, la cour, les avocats. Là, le portrait de monsieur de l'avocat Biggs, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ça, c'est
une des plus grandes réussites en très peu de temps, je pense, un des avocats les plus terrifiants qu'on puisse avoir là. C'est vraiment formidable. Biggs, qui est aussi merveilleusement distribué. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Vous levez le doigt, voilà, monsieur, on va vous donner un oui tout de suite. Juste pour la thématique du faux coupable, est-ce que c'est juste un principe scénaristique pratique à Hitchcock ou est-ce que ça vient d'une enfance où il s'est senti piégé, pris la main dans le plein milieu? The theme of the wrongly accused, is it something that is done by you, or someone who is that more substantial? No, no, I think it's what Bertrand said. It's really, first of all, it goes against most of the conventions of film of that period, and particularly in Hollywood and America later on, where the police always had to, we had to show the police being very smart and figuring out the clues and getting the right man. Oui. Non, c'est quelque chose d'important, parce que là, par exemple, c'est un film qui va contre tous les codes qui étaient habituellement, notamment en Amérique. Alors déjà, sur quelque chose de la police dans les films américains de l'époque devait être efficace, devait représenter le droit et la justice. I think it reflects a profound idea for Hitchcock of both guilt and punishment, but also judgment and of characters in his films, but particularly the villains he would call the heavies. Ça correspond à quelque chose de profond de Hitchcock, une réflexion sur la culpabilité et l'innocence. Et c'est quelque chose qui va devenir un des grands thèmes de ces films, et qu'on trouve aussi jusque dans les personnages de ce qu'on appelait les méchants dans ces films. They may be convicted, they may see their faces on wanted posters, but they rarely are, in a Hitchcock film, trapped and caught by the police of their own volition. Instead, as in this film, inevitably, the villain reveals himself and commits some kind of self-murder, some kind of suicide by confession and expiation and usually death. Oui, les méchants, les criminels peuvent être recherchés, il peut y avoir leurs photos partout, dans les journaux, sur les murs, mais ils sont rarement attrapés, ils sont jamais attrapés par la police, et quand on les attrape, la plus souvent, c'est comme dans ce film, c'est à l'issue d'une erreur, d'une faute que fait le criminel, comme dans un acte d'auto-expiation, une façon de se confesser, mais c'est jamais le fait de la loi. And just briefly, I talk about this in my book. For example, Hitchcock was against capital punishment or execution. Par exemple, j'en parle dans mon livre, Hitchcock était tout à fait contre la peine de mort. Tried very hard to make a film about the subject that would be against, would show the wrong person being executed, and then the rest of the story would show what had happened. Et il a essayé très fortement de faire un film sur l'histoire d'un homme qui serait exécuté à tort, et le reste du film montrerait. So he did not trust earthly justice. He trusts God's justice. Il croyait pas du tout dans la justice des hommes. And there's always a moment in. Il croyait à la justice de Dieu. There's always a moment in his films, as when she rushes in at the end to the police and says to the police, "Can't you be human for once?" Oui, il y a toujours un moment dans ces films où, comme le dit l'héroïne tout d'un coup, s'écarte de la police en disant « Est-ce que vous ne pouvez pas être humain pour une fois ?» et va avoir un mouvement de compassion, et c'est ce mouvement de compassion qui va amener la résolution de l'histoire. D'autres questions ? Marc, vous êtes droit, parlez. Madame ? Oui, et c'est Patrick dit que ça vient peut-être aussi dans son adolescence, son enfance, où la police l'avait enfermé, et que cette vision de la police remonte à cette époque, à ce qu'il a vécu lui à ce moment-là. But also knowing Edith Thompson, this famous murderess and one of England's most famous convicted murderesses of the early 1920s, who was executed, who he knew personally, who most people believe did not
convict the crime, do the crime. Oui, et aussi parce que le fait qu'il connaissait très bien Edith Thompson, qui a été l'une des meurtrières les plus connues des années 20, qui a été exécutée, qu'il connaissait très bien, et qui, et beaucoup de gens pensent qu'elle n'avait pas commis le crime pour lequel on l'a exécutée, et que Hitchcock, c'était quelqu'un qu'il avait fréquenté, qu'il avait vraiment connu. Et l'histoire de son enfant, donc c'est son père, qui l'a fait enfermer par un ami policier en prison, afin de lui faire ressentir ce que méritaient les gens qui faisaient les choses pas bien. Oui. Mais faites ça, c'est bien, faites ça à vos enfants, et paf, 50 000. Alors, madame. Est-ce que vous pouvez nous parler des enfants, et surtout des enfants qui sortent de dessous la table, un animal mort? J'ai vu hier Pierre Perrin. Hein? Ouais. Voilà. Vous avez entendu? Le cas, oui. Yes, Hitchcock is marvelous with children, and I think it's an important part of my book that he's a wonderful husband and father and family man in his own life. And there's always a continuity of certain things in his films that if you watch them a lot, you enjoy tremendously. Oui, c'est une chose qui est très importante, les enfants dans ces films, et ce que montre dans le livre, c'est que Hitchcock a eu une vie domestique, une vie conjugale très, très heureuse, très, il a été un père tout à fait attentionné, et en revoyant ces films, il y a toujours des petits détails dont on sent qu'ils doivent venir justement de sa vie intime et de sa vie conjugale. For example, in this film, Birds, and the slow motion of birds at the beach, at the murder. Par exemple, dans ce film, les oiseaux et le brusque ralenti sur des oiseaux juste après le meurtre sur la plage. Dogs, he loves dogs. Et par exemple, les chiens, il adorait les chiens. He loves children and he loves mischievous, rude, sometimes obnoxious children. Et il aimait beaucoup les enfants et il aimait les enfants mal élevés, les enfants qui couraient partout, les enfants qui agressifs, qui se obnoxious. Comment on pourrait traduire obnoxious? Mischievous. Oui, espiègle, malin. Il aimait beaucoup ça. And there's often a continuity in the ideas from film to film, so that this actress, Nova Pilbeam, who's so tender and sweet in this movie, and his camera is doting on her, was the young girl in the original Man Who Knew Too Much, who's being protected by, who's trying to be saved throughout the entire film. Il y a une continuité d'une certaine manière dans ces films. Par exemple, Nova Pilbeam, qu'il filme avec beaucoup de tendresse, qu'il filme même avec une grande chaleur, ben cette Nova Pilbeam, c'était l'enfant qu'il avait utilisé. Il l'avait utilisé à l'enfant dans la première version de L'homme qui en savait trop. Et c'est l'enfant que tout le monde essaye de protéger dans le film pour la sauver. Et là, il l'a reprise après ça, et il devait y avoir le genre de rapport. Il y a une continuité très forte, du coup, entre les deux films. One little last thing. His tenderness and kindness and enjoyment of children does not necessarily rule out killing them. Oui, sa gentillesse et son goût vraiment réel pour les enfants, et les enfants espiègles, les joueurs et ça, ne l'empêche pas parfois de les tuer. Because he believes that death can happen to innocent people anywhere. Parce que l'une de ses plus grandes croyances qu'il a, c'est que la mort peut survenir n'importe quand et frapper les gens les plus innocents. Even the youngest innocents. Et même les plus jeunes, donc les enfants. So we see the blind man's bluff and young innocent come back in the birds. Oui. Yeah. The game of blind man's bluff. Oui, at the party. On, par exemple, il va réutiliser un jeu d'enfant qui est Colin Maillard, il va le réutiliser de Young and Innocent dans The Birds.
dans The Burn, il va reprendre cette scène. Or in the film we screened last night, Strangers on a Train, the carousel going around with the children, and eventually, some got injured. Oui, oui, et dans la scène du manège qui finit par s'emballer et qui explose, on est obligé de penser qu'il y a des enfants qui ont été blessés ou tués là-dedans, ce qui était le contraire d'une des règles hollywoodiennes, d'un tabou hollywoodien. But it was even something that Hitchcock reported. I mean, when he did Secret Agent, absolutely, yes. He said that he had made a mistake of killing the child, the bus, the young boy. Yes, or though perhaps more a mistake of letting the audience take too much time to see it coming, oui, and then feel it. Oui. Alors je lui disais, oui, que le fait qu'il tue des enfants n'empêche pas Hitchcock d'avoir critiqué une scène de ce film, moi, que j'aime bien, qui est Secret Agent, qui s'appelle Sabotage, je crois, en français. Hein? Cadre de l'espionnage. Non, cadre de l'espionnage, c'est Ashendon, c'est pas celui qui est... c'est pas celui qui avait avec Sylvia Sidney. Oh, c'est Sabotage. Hein? C'est Sabotage. C'est Sabotage. Sidney, je crois que c'est Sabotage, je dis français pour savoir. Je disais que Hitchcock s'était beaucoup reproché le fait d'avoir tué un enfant dedans. C'est l'enfant qui porte sans savoir une bombe. Et il dit, mais c'est. On ne sait pas exactement si. Il s'est reproché d'avoir tué un enfant ou surtout d'avoir trop laissé passer de temps avec le public pour que le public devine qu'on allait tuer un enfant. C'est plus compliqué que ça, le rapport qu'il a avec cette séquence. D'autres monsieur, allez-y à voir peut-être sur votre micro. Une question sur la place de la femme à l'époque et dans ce film, en fait, on la voit produire, bricoler. Braver l'autorité de son père, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà courant dans l'Angleterre de l'époque et dans les films est-ce que la place de la femme est très évidente et importante dans ce film là est une chose courante dans le cinéma anglais de l'époque? Happening a lot in the cinema of the time? Sometimes, but it happens always, I think, in Hitchcock's cinema. And it's important, his wife is very, very closely involved as writer, co-writer, or writer of all the scripts up until the late 1940s. And he often brings in women writers, which is unusual, and he does it again and again, film by film. So he's working on those characters. And yes, there's this, especially when people think of The Birds and Psycho, they think of the victimized woman. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu trop tendance à ramener Hitchcock à des femmes victimes, en pensant aux oiseaux et à Psycho. Mais dans beaucoup d'autres films, c'est le contraire. Et ça s'expliquait aussi par le fait que sa femme collaborait de très très près au scénario et que, comme il l'a dit hier, Hitchcock prenait très souvent engagé des scénaristes femmes pour venir encore aiguiser les personnages féminins. Alors ça pouvait arriver qu'il y a quelques femmes comme ça dans le cinéma de l'époque. Dans le cinéma anglais, pas beaucoup. In the British cinema of the time, there are not many characters like that. As insolent, lively, completely out of the convention. Yeah, and over the course of the body of his work, you see incredibly resourceful female characters who fight back, who know how to save the person who's choking, who drive the car, driving the car, as Mrs. Hitchcock did. She drove Mr. Hitchcock, oui, was the passenger. Oui, et plus on va dans ces films, plus on voit un nombre énorme de personnages féminins qui sont combatifs, énergiques, qui vont, ce sont eux qui aident généralement les personnes qui sont prises dans un engrenage, qui le conduisent. Ça, c'était une chose qui venait de la vie, c'était Madame Hitchcock qui conduisait toujours son mari, où qu'il aille, c'était elle qui conduisait. Une dernière question, là, franchement, j'ai le micro, allez-y. Aujourd'hui, on voit donc ces films dans un musée. Quel est le statut de Hitchcock? Non, il y a plein de films qui sortent en salle. Ah, oui, oui, dans les salles parisiennes. Et quel est le statut de Hitchcock dans les années 30? Est-ce que c'était comme aujourd'hui, quelqu'un qu'on attend?
on attend le film comme un blockbuster. Est-ce qu'il était un peu méprisé comme un artisan de série B? Et quelle était son idée par rapport à l'Église déjà? Merci. He would reach a height with an important film and good reviews and success, and then he would be nearly fired or laid off. The studio would almost go broke. So by the early 1930s already, 1930, 31, he's trying to go to America because his position in the British film industry is very insecure. Alors là, sa position était contradictoire. Il pouvait, sur un film, obtenir des critiques extraordinaires et obtenir un statut assez important. The Lodger a été extraordinairement bien reçu. Et puis après, on le voyait obligé de se battre pour imposer de ses idées, ne pas y parvenir. Et très tôt, dès le début des années 30, on le voit tenter de quitter l'Angleterre, où la production était très anarchique. Le studio pour lequel il travaillait a été en faillite. Et c'était... The same thing happened to Michael Powell. He said that he survived... and British cinema survived only because of foreign producers. Yes, Alexander Korda. Yes. Même chose est arrivée à Michael Powell. Oui, la même chose est arrivée à Michael Powell, qui dit que le cinéma anglais des années 30 n'a survécu très souvent que grâce à l'arrivée de producteurs étrangers, comme Korda, comme Joe Rock, ce fameux producteur américain qui lui fait faire son premier film, à Powell, son premier film qu'il considère comme personnel, mais qu'avant, il faut attendre Rank, il faut attendre le fils d'un meunier presbytérien, il dit pour tout d'un coup avoir un studio à un moment en Angleterre, où pendant quelques temps, quelques années, une décennie, un groupe de cinéastes a pu être s'installer et travailler de manière stable. Jusqu'à ce que Rank ensuite se dilapide tout ce capital et renvoie tous les metteurs en scène producteurs qu'ils avaient sous contrat. The British film industry was always, and particularly then, weak, volatile, secondary to America, which is one of the reasons why Hitchcock wanted to come to Hollywood. You see it in this film. A very cheap, quick film. It wouldn't even have a B budget in Hollywood, you know. So he was doing things with miniatures and backgrounds and special effects. They had a word for it, Hitchcockery. Oui, ça se voit même dans ce film. L'industrie du cinéma anglaise à cette époque était extrêmement faible, extrêmement fragile. Et on va commenter qu'il n'y a jamais eu une politique même... réel sur le cinéma en Angleterre, encore maintenant. Mais et ça se voit dans ce film où Hitchcock, c'est un budget, mais qui ne serait même pas celui d'un film B à Hollywood. Et avec ça, il est obligé d'utiliser énormément d'imagination, de ruser avec les décors, d'utiliser des maquettes, des effets spéciaux, continuellement ce qu'on appelait en Angleterre les Hitchcockeries. Parce que c'était une manière avec lui de pouvoir ruser avec ses budgets. Alors, la dernière question, monsieur, le micro, je vais vers vous. Bonjour. Hitchcock est mondialement connu, il a eu probablement beaucoup de fils et de petits-fils qui ont été influencés par Hitchcock, probablement en Occident. Est-ce qu'au niveau du cinéma asiatique, il y a actuellement des réalisateurs qui se disent être influencés par Hitchcock? Is there an influence in Asia, in contemporary Asian cinema, based on Hitchcock's work? Oui. Non, c'est une question compliquée. Melville, on saurait dire tout ça, et Hitchcock, ils sont assez peu nombreux à l'avoir fait, ou à le faire explicitement. Mais une fois que... Non. Oui, mais à ce moment-là, tout. Hitchcock était un peu le genre... Oui,